Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que tout le monde va bien, la famille, les choses se passent. Oui, oui, non, je me cache pas. À aucun moment je me cache. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour ça que je vous ai laissé. J'ai observé, j'ai regardé, j'ai fait en sorte que. Et oui, et j'ai vu ce qu'il fallait voir. Wallahi l'azim, je jure devant Allah, j'ai jamais volé les gens de ma vie. Surtout avec l'amena des gens. L'amena des gens, ça se vole pas. Il y a eu des circonstances, il y a eu des vidéos, il y a eu des statuts. Mais ça, j'y reviendrai après dessus. Il y a eu tout ce que vous voulez dessus. Il y a eu des contretemps, il y a eu des inconvénients. Mais à aucun moment, j'ai volé l'argent des gens. La preuve, ces gens-là ont été réglés. J'ai jamais volé les gens, que Allah m'en soit témoin. Maintenant, je tiens juste à revenir à tous ces détracteurs qui sont là, à droite et à gauche. Ouais, vous voulez faire jouer les procédures, vous êtes là, en appelant, en essayant de vouloir faire des procédures juridiques. Je vais faire la même. Je vais déposer plainte pour diffamation. Je vais faire la même que vous. Je vais faire la même chose. Parce que vous accusez les gens sans preuve. Vous accusez les gens comme les trois femmes que vous accusez pour rien du tout, qui n'ont rien à voir avec l'histoire que vous inventez, vous, ce que vous essayez de faire croire aux gens, que ça soit Sadia, que ça soit Radia, que ça soit Sapfoulon, de son profil Facebook, n'ont jamais été en contact avec les cagnottes. Seule Sadia était avec moi et m'a toujours remis les cagnottes en temps et en heure. L'enquête policière le confirmera, que personne n'a escroqué personne. Mais là où je vire, là où je deviens fou, j'ai vu, ça fait des montages, ça parle de moi. Mais moi aussi, j'ai envie de parler de tous ces gens-là. Y commencer par Yoshi, le maghrébin sioniste. Tu te rappelles quand tu me bouffais la bite? Tu te rappelles quand tu étais là, à droite et à gauche, tu me cherchais de partout? T'es un chien, t'es le chien de tout le monde. À un moment, t'as même été le chien des sionistes. Tout le monde le sait, ça. T'es une salope. Ta tête, tu la masques tout le temps parce que même les gens avec qui tu travailles, ils veulent pas voir t'es qui ou toi. T'as pas envie de montrer tu es qui. Donc ferme ta gueule. Toi, on va déposer plainte pour diffamation. C'est clair, net et précis. Et je suis pas le seul. L'autre pareil, là, l'autre clocharde qui est là. Oui, oui, tu m'as hébergé. Bien sûr. Sophie Benfetouche, tu m'as hébergé, bien sûr, c'est toi qui m'as dit de venir. Bassem, viens, Bassem, si, Bassem, si. Moi, je suis venu, mais en aucun cas, j'étais avec toi. À aucun moment, j'ai été avec toi. Toi et moi, il n'y a rien eu et il n'y aura jamais rien. Mais de là à ce que tu filmes, tu prends des photos H24 dans ton appartement de ma personne, c'est qu'il te manque un plomb, c'est que t'as pas de cerveau. Allah y a dit, t'as cru que c'était un love story, la putain de ta race, ça c'est un truc de fou. Pareil, on va déposer plainte pour atteinte à l'image, diffusée sur internet. Hakarabbi, je vais faire comme vous faites, vous. Maintenant je m'adresse aux abonnés qui étaient avec moi. Wallahi l'adim, je vous regarde les yeux dans les yeux. J'ai jamais volé quelqu'un. Je volerai jamais. Jamais je volerai les gens comme ça. Les cagnottes, j'en fais depuis longtemps. Tous les gens qui l'ont reçu pourront témoigner. Je vous invite à aller tous au commissariat et à faire ce que vous avez à faire si moi, je vous ai rien donné. Oui, il y a eu un contretemps. Oui, il fallait le faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait, mais pas par rapport à une pression de droite ou à gauche. Ça, c'était un contrat moral que j'ai eu avec elle. Maintenant, j'ai pas à m'exprimer dessus. La justice suivra son cours. Mais dès que là, que vous accusez des femmes de faire ça, des mères de famille, mais vous avez pas honte, tout ça à cause de l'autre PD qui tient ce groupe, mais ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, ce qui va se passer, je vais faire la même chose que vous faites, vous, et moi, hamdoulay ya Rabbi, avec tous les défauts que j'ai, hamdoulay, ça m'a permis de aider des gens, ça m'a permis d'être là, d'être opérationnel. Tout le monde a ses défauts. On a tous ses défauts. Mais de là à manger la MNA de la communauté, non, jamais de la vie. Plutôt mourir, plutôt brûler vif. Donc, pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui ne me suivent pas, ce message s'adresse à vous. Et croyez pas que si je suis resté silencieux, c'est pas pour rien. Je les laisse tirer leur dernière cartouche. Et puis moi, après, je ferai ce qui en sorte. Et tous les gens qui sont là, qui me menacent, qui ici, à droite et à gauche, vous, vous avez les vôtres. Moi, j'ai les miens. Alhamdoulilah.
Wassalamu alaikum les gens, prenez soin de vous, de vos familles, et wallah l'adim, je le jure, je vous regarde les yeux dans les yeux, je ne suis pas un voleur, j'ai jamais été un escroc, c'est pas maintenant que ça va commencer, et hamdoulay, malgré toute cette merde du net, c'est grâce à ça, ça m'a permis de rencontrer des gens comme ça, et ça m'a permis aussi de rencontrer de la merde, comme l'autre qui publie dans le groupe, genre, je mange du jambon, ferme ta gueule toi, tu mettais des camis, et tu vois, on le sait, on le voit tous ça, mais vous allez voir, la vérité elle va tomber, et tout t'arrivera à terme, bien comme on dit. Salam alaikum les gens.